Lui. Attention parce que maintenant lui il enregistre tout ce qu'on dit hein, avec son super micro. Bonjour. Oh, je vais me réveiller. Death, she must have been your will. Up on beneath the reaper's veil. With your voice my belly sunk. And I began to feel so drunk. Candle, candle on my clock. Oh no, Jana. Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed as the flames licked my head and my lungs filled up black in their tiny little shack. It was real and I repent.
Clémence, bienvenue dans le petit lexique du petit grimpeur. Que veut dire enchaîner? Que veut dire enchaîner? Arriver au-dessus de la voie sans tomber. Sans tomber une seule fois, c'est ça? Ouais. Tout faire d'un coup. Ouais. Merci. Alors chat, bienvenue dans le petit lexique du petit grimpeur. Que veut dire une assiette? Alors une assiette, très commun ici à Pfalp, c'est Opsalp, avec un Z au bout. Une assiette, ça a été sculpté dans la roche. C'est des petites choses que tu peux prendre dans les mains, enfin les petits rebords que tu peux prendre dans les mains qui sont très utiles quand tu grimpes une voie un peu difficile. Et une phrase typique d'utilisation du mot assiette? Tiens, on prend un peu à droite, là il y a une belle assiette. Merci, c'était le petit lexique du petit grimpeur. Avec plaisir. Alors, Émilie, bienvenue dans le petit lexique du petit grimpeur. Qu'est-ce Merci. Qu'une dégaine? Alors voilà une dégaine. Une dégaine, ça sert à grimper en tête. Tu l'attaches sur les points de la falaise qui sont préinstallés. Ça, on ne peut pas grimper avec des dégaines comment on dit ça? En trad. Là, il faut des coinceurs, mais sinon, on attache ça sur le mur et puis on passe sa corde ici et on peut continuer à grimper. Parfait, Émilie. Voilà, s'il te plaît, Louis, avec plaisir. Alors, Jérôme, petit lexique du petit grimpeur, que sont des friends? C'est ça, des trucs qui te sauvent la vie, qui te permettent de monter n'importe où. Et d'où vient le mot friends, tu crois? Parce que ce sont tes meilleurs amis quand t'es au taquet. Ok, maintenant, donne un bon exemple d'utilisation du mot friends en escalade. Quand tu te sens seul, tu utilises tes friends, quoi. Voilà, merci. C'était le petit lexique du petit grimpeur. Alors Ariane, bienvenue dans le petit lexique du petit grimpeur. Bonjour. Qu'est-ce Louis. Qu'il y a, baudrier? Alors un baudrier, ça peut évidemment te sauver la vie. C'est tout à fait nécessaire pour un grimpeur. Alors il y a les places pour les jambes. Tu mets comme ça. Hop. Autre jambe. Et alors tu vas serrer ici. Hop, comme ça. Et puis ben, tu peux passer la corde ici ou tes mousquetons et être assuré. Et évidemment ça te retient. Et ça, ça tient beaucoup? Ah, ça tient plusieurs centaines de kilos. Donc, c'est juste que les fibres fatiguent à partir d'un certain temps, donc tous les 5 ans il faut changer, quoi. Ok, merci pour ce détail croustillant. Merci. De rien, Louis. Alors Vincent, petit lexique du petit grimpeur, qu'est-ce qu'une perso? Alors Louis, une perso, ça se présente comme ceci, c'est une longe. Ça c'est une belle perso, non? Ça c'est une belle perso. C'est les Favresses, une fois que j'ai été grimper avec eux, ah ouais, qui m'ont conseillé d'en prendre une comme ça. Il y a peu de temps, eux ils utilisent ça tout le temps. Et en fait ça te permet, tu vois, de l'attacher et d'être confortable à ton relais, de choisir la distance à laquelle tu vas être attaché. Et donc d'être toujours bien à ton relais. De plus, quand tu effectues un rappel, ouais, tu peux accrocher ici ton reverso, bien haut, d'accord? Ainsi il se prend pas dans tes cheveux ni rien, et ton prusik tu le mets ici, tranquille. Nickel, quoi. Et tu peux descendre à l'aise. Donc à choisir entre plusieurs persos, ça c'est la bonne perso. Celle-ci, ouais. D'ailleurs, les Favres c'est chaud, non pas. D'accord, voilà. Merci Vincent. Merci à toi Louis. Alors, bienvenue Louis au petit lexique du grimpeur. Je t'invite à m'expliquer ce qu'est un gris-gris. Alors, un gris-gris, on l'utilise pour se protéger de... Enfin, pour rassurer l'autre en fait. Et il y a un sens, il ne faut pas se tromper. On met la corde là-dedans, hop, hop. Et d'un côté, c'est la corde vers le grimpeur et d'un côté, la corde vers l'assureur. Et ce qui est bien au gris-gris, c'est que quand tu tombes, hop, ça bloque tout seul, quoi. Et une fois que tu veux faire que l'autre descende, t'appuies comme ça et hop, ça descend. Un tout grand merci, Grigri. Alors, Laure, quand on part encore en escalade, qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Alors, ce qu'il faut pas oublier, Louis, c'est les langes, tout d'abord. Le gant tétra pour nettoyer les fesses des petits enfants. L'essuie pour les essuyer et des longes de rechange parce qu'un seul ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? Il y a un truc à pas oublier du tout, quoi.
Bah, jeune. Ah. Parce que ça, ça c'est important, quoi. Et puis accessoirement, la corde, les dégaines, le mousqueton, tout ça, tout ça. Voilà, Louis. Merci. Donc, Jeanne. Avec plaisir. Et la chose à ne pas oublier pour le week-end. Très heureuse de revenir l'année prochaine. Youhou. À bientôt.